Donc, j'ai pris l'idée à partir de cette émission-là. Ce n'est pas le même concept parce que c'est des chefs qui se battent un contre l'autre. Nous, aujourd'hui, on va travailler en équipe. Donc, au niveau des consignes, en équipe de trois personnes, vous aurez à compter. Quand on aura formé les équipes, retourné les cartes, vous aurez 30 minutes en équipe de trois pour préparer votre travail et savoir vers quoi vous allez votre travail aujourd'hui. Donc, la communication sera donc très importante au sein de l'équipe pour l'élaboration de la recette et de la présentation. Puis chaque membre. Les champignons, on a-tu vraiment les truffes? Les deux, vous mettez vos cartes, s'il vous plaît, ici. Ah, c'est pas nous autres. Mais chef, on a-tu vraiment des truffes? L'asperge, le pain de la pisse. Trois? Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les As 2, 3, vous avez ces quatre ingrédients-là, plus les deux qui ont été retournés pour chacune des équipes. Ça va? Les quatre. Oh! C'est nous. Pourquoi mais je trace pas là? Ah, cool. Ah. Ok. Les cinq? Oui. Tu vas aller chercher avec la betterave vanille. Betterave vanille en sac. Donc, vous taillez vos escalopes de cette façon-là. Pour la cuisson, vous avez peut-être vu déjà dans des livres des escalopes qui étaient quadrillées. Donc, quadrillées à la façon d'un steak, un petit peu. Là. Ça va aider la chaleur à pénétrer au centre légèrement. Daisy Duke. Non, c'est quoi mon... Allez-vous, 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 allez-vous
Céleri rave, gingembre et sirop d'érable. On a pris le foie gras poêleux, on l'a fait poêleux normal, mais avec du poivre noir. Une mousse de chocolat noir vraiment français. Et les truffes sur le dessus. Ah ouais, les truffes sur le dessus. Parfait. Et belle votre assiette. Moitié chocolat, moitié sirop d'érable. Par-dessus ça, on a fait une brunoise de poivron jaune, rouge, orange, avec de la fenouille sautée d'un huile d'olive, de foie gras de canard, puis la truffe sèche. Puis on a mis un coulis de poivron dans le fond de l'assiette, c'est ça le design Picasso. Le crouton, c'est coriandre, curcuma, le pain de sel, de l'huile d'olive. Le foie, c'est le micro, de la vanille et du sucre, fait que ça le caramélisait un peu. Le turmeric, mangue, betterave jaune, le vinaigre de vin blanc, basilic.